Salut à tous, voilà, je vous présente du portage de la marque Red Light, composé du Revolutive 24 litres, donc du Made in France, hein, je précise, sac à dos proposé par la marque Red Light pour des courses à étapes, comme le marathon des sables, course à laquelle je vais avoir la chance de participer dans environ 3 semaines. Donc un sac à dos vraiment très pratique, très souple, enfin, en tout cas vraiment très confortable, avec un système de réglage comme vous pouvez le voir un petit peu avec cette petite molette. Donc ça c'est un petit peu en ce moment la marque de fabrique de la marque Red Light, et c'est plutôt pratique pour être bien maintenu. Donc évidemment dans ce sac à dos là j'ai pu mettre tout mon matériel indispensable pour pouvoir participer au marathon des sables, donc aussi bien le matériel obligatoire demandé par l'organisation, donc tout ce qui est nutrition, vêtements, petits accessoires, etc. Au niveau de l'hydratation, donc deux flasques de forme ergonomique, donc vraiment bien pratique et qui permettent de ne pas trop en fait se sentir à l'étroit et pas avoir trop de frottement dû à ces flasques. Donc ça c'est plutôt pratique, hein, par rapport à la forme. Un carquois deux en un. Pourquoi deux en un? Parce qu'évidemment la solution numéro un c'est pour pouvoir transporter des bâtons, mais aussi qui peut servir en fait de pack de rangement, on va dire ça comme ça. Vous pouvez porter sur le devant comme ce que je fais là. Vous pouvez mettre des petits accessoires, des vêtements, enfin en tous les cas du complément pour pouvoir pas trop rendre le sac trop lourd. Et ajouter à cela, si vous le souhaitez, donc c'est-à-dire qu'en gros le carquois, il faudra le mettre dans le dos, le pack avant proposé par la marque Red Light. Donc là vraiment très pratique, vous pouvez rajouter en fait une flasque. Donc là en l'occurrence j'ai mis un bidon, un porte-carte, et puis dans la poche centrale, vous pouvez rajouter en fait des accessoires, encore une fois utiles pour pouvoir faire des courses à étapes. Donc là par exemple j'ai mis un petit duvet. Et puis vous avez en fait, voilà, donc avec un mèche évidemment très souple, où vous pouvez mettre quand même pas mal de choses dans ce pack avant. Voilà, donc je vous propose maintenant de suivre ce test complet sur toutes les solutions de portage utilisées pour les courses à étapes comme le marathon des sables. À bientôt tout le monde!